Bon, tu me donnes une autre. You ready for the next bounty, kid? Ouais, je suis prêt. Allez-y, parle-moi de. Last week, a caravan was waylaid north of town, but it's still a mystery who was behind the attack. One of the guards survived with a leg injury, but by all accounts, he's a drunken ass. His name is Chesty, and he spends his days over at the bar at Boulder City. Find this guy and try to figure out what happened. Our client is offering 500 caps for the apprehension or termination of the attacker, provided we get definitive proof. Good luck. Un survivant. Ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu lui apporter le doigt de n'importe qui. Il aurait pas capté. Mais... Ah ouais, ça marchait. Bah non, ça aurait pas marché, mais je veux dire, d'un point de vue RP, le mec il amène ça. On peut imaginer que l'homme en question avait une chevalière. Ouais. Chose comme ça. On peut imaginer. Je vais passer à Good Springs. Soyons fantaisistes. Soyons créatifs, imaginatifs. Ouais. Je vais passer chez le médecin, le vieux con là. Mmh. Oui, la première personne que j'ai tuée. Avant de sortir de la maison. Sympa. Ouh, je suis une façon de remercier d'avoir sauvé. C'est toujours sympa. C'est vrai. Alors, il est où ce gros con ? Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services. Attends, il a une drôle de. C'est bizarre. Une drôle de dégaine, une drôle de voix. Une drôle de tenue, surtout. Surtout, ouais. Bon, bref, j'ai besoin de ma dose. Il y a des trous noirs partout, sauf la tête. Donne-moi du matos, hop, putain. Bon, vaut mieux peut-être cheater sur l'argent que sur les... ouais. Ah, fait chier. Tiens, mais... C'est bizarre. J'ai marché sur quelque chose qui fait du bruit. Oh, mais... Ce serait pas des capsules ? Ah bah ouais. Bon, je les prends. Voilà. Comment ça va ? Parce que c'est très simple, hein, de trouver de l'argent dans ce jeu. Très très simple, même trop simple. Hein, c'est un scandale, je... Bon, encore une fois, si vous voulez vraiment, quand vous ferez le jeu, je compte sur vous pour pas cheater comme moi. Hein. Voilà, prouvez-nous à quel point nous sommes mauvais. Mais je vous rassure, quand je joue en solo, en général, j'évite ce genre de choses parce que ça gâche vraiment le plaisir du jeu. Hein. Ça c'est ce qu'il dit, hein. Non, je rigole. J'aurais bien aimé trouver un lit pour reposer un petit peu mon perso, justement, avant de repartir. Ah, bah non. Oh le chien. Eh ouais. Tant pis. Alors, on n'a pas le droit de dormir discretos, tu sais, quand je veux. Ouais. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Chaque lit porte une empreinte génétique. Bon, bah, ça fait un peu loin, mais on y va. Eh ben, après tout, pourquoi pas. Alors, je ferai en sorte... Merde. Je ferai en sorte peut-être genre de faire un petit peu à la manière de l'Amazonian Hospital. Entre chaque quête, je m'arrangerai pour faire un épisode différent. Ouais. Donc là, en gros, on sera au deuxième épisode de cette série de vidéos. Tout à fait. Et nous espérons que vous allez apprécier ce deuxième épisode. Voilà. Suivre les aventures de notre nouveau jeune chasseur de primes, Tenko. Jeune enculé. Oui, on peut dire. Oui. Un landeur, quoi. Un... Jeune enfoiré, on va dire, parce qu'enculé, je pense pas qu'il soit homosexuel. Oh. Ça, c'était fin. Non, voilà. Enfin, oui, un fumiste. Un... Voilà. Un sireur de con. Un fumien. Tout ce que vous voulez. Un type peu recommandable. Et... Un buveur de putaski. C'est ça. Tout à fait. Connais la vraie vie. Et désolé aussi d'avoir mis autant de temps à sortir des vidéos de Fallout. Il y a eu énormément de choses à faire entre temps. La sortie de Skyrim, disons, a tout ralenti. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas facile de sortir régulièrement des vidéos qui
Ouais. Surtout que dans autant de jeux différents. Ouais, je suis sur pas mal de trucs à la fois, donc en sachant que j'ai aussi une vie à gérer de temps en temps à côté quand même. Voilà. voilà. Il faut le dire, voilà, c'est pas évident. Pas croire, hein, même si je fais autant de vidéos que ça, j'ai quand même une vie. Ouais. Je le confirme. C'est un homme très occupé en dehors. Pas avec moi, je vous rassure, hein, une chef de la même famille. Non, non. Ça fait une petite bestiole en moins. Ouais. C'est juste un rat scorpion. Le lance-flamme fait du bien quand même. Ouais, enfin, je pense pas que ça doit faire vraiment du bien, mais. Non, pour le moi. Personnage... Oui, voilà. Enfin, c'est un mal pour en dire. Mais oui, j'ai eu la chance de tomber dessus, hein. ça m'arrange bien du coup. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de mal d'ailleurs à tuer l'autre con qui avait la syphilis. Ouais, je pense que. Yenluigi. En personne. Ouais. Qui nous fait l'honneur de venir pour cette vidéo. Luigi a chopé la syphilis juste pour nous. C'est ça. Alors. Où est-ce qu'on est? Je crois que nous sommes en France. Non, dans le jeu. Ah, pardon, je sais. Oh, c'était nul. Oh là là. Le niveau de. C'est vrai, un jour, je me dis que j'aurais dû rester en Californie. Bah, retourne-y en Californie. Attention, il y a toute une meute de griffes morts un peu plus loin, au nord. À votre place, je ferai demi-tour. Qu'est-ce qu'ils veulent, Père Noël? Si vous allez à New Vegas, je vous conseille de partir vers l'est après Prime, puis de faire une boucle vers le nord. C'est carrément plus sûr. Bah, tu crois que j'ai que ça à foutre de faire un. C'est carrément plus sûr. Décider. Le seul mot qui te fait. Qui te convainc, tu vois. C'est carrément, quoi. Le mot convaincant. Carrément, quoi. Il n'y aurait pas ce mot-là, non, mais ça changerait toute la crédibilité de la phrase. Hein. Ouais, sauf que par rapport aux routes, je vais être obligé de vraiment faire le tour, à mon avis, parce que. Il y a vraiment des griffes morts? Je sais pas, j'ai un doute, mais. Oh là, tu marches trop vite, c'est limite à 15 là. Oh putain. Ah, il risque d'y avoir un train. Un peu en cacher un autre. C'est vrai. Ah, ouais. Il y a peut-être des griffes morts, mais écoute. On est dans merde. On s'en balance. Oh, si, il va venir, évidemment. Carrément plus sûr. C'est carrément. Carrément ça. Je suis carrément d'accord. Carrément, quoi. Ouais. On va être carrément lui casser la gueule. Hein. Sauf que je les ai toujours pas croisés, du coup, les griffes morts. J'ai réussi à les contourner. Bah, ça m'a l'air assez civilisé. De toute façon, on sent un quart de ces. On sent un quart de ces démons. C'est ça. L'antre de Nail. Ah. On s'en fout un peu, mais. Ah oui, ils vendent peut-être des steampacks. Ouais, mais bon, on revient assez de toute façon. Ouais, ouais. Cet endroit est dangereux, Zagdos. Ah. Surtout pour quelqu'un comme vous. Faites demi-tour. Vous ne trouverez rien d'intéressant ici. J'adore les subir du temps. À plus tard. Au revoir. Je vais pas trop m'intéresser à lui, même si je suis un peu curieux, à vrai dire. Tu l'as déjà rencontré? Non. Non, non, j'ai pas assez exploité le jeu pour. Moi non plus, bah tu vois, ça me donne envie, franchement, de m'y remettre d'ici quelques temps, ouais. Ouais, ouais. Ouais, New Vegas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, pourtant que je n'ai pas tant exploité que ça. Faudra que vraiment je me plonge dans le jeu quand je prendrai le temps et. C'est rallié, ça. Bon, je pense pas que je m'y replongerai après puisque. Voilà, c'est assez. Ça commencera à être complètement de la bouteille. Derrière, il y aura d'autres jeux intéressants qui vont sortir. Mais. Je pense qu'il faudra que je me consacre. Ouais. Bon. Alors, par là, c'est rallié. Comment je vais faire pour aller par là? Est-ce que. Attends, je regarde juste vite fait. Ah, ouais, d'accord. Bon. Je crois que je suis pas justement dans la zone que je voulais éviter. C'est la zone. Ça se trouve, lui il était amical, mais ouais, forcément ses potes le sont un petit peu moins. Bon, ouais, ouais, ouais. On va essayer de les éviter, de la prévention. Oula, oula, oula. Il fait plomber le cul, je crois. Je crois qu'il n'y a plus de BMS dans. Dans le BMS.
possible. Donc ça me fait en avoir croisé dans un nouvel Vegas. J'aime bien ces grands supermarchés. C'est géant. Ah, je veux passer. Voilà. Voilà. Grugé. J'ai grugé. Ah purée. Bah du coup la voie ferrée depuis le début. Ouais. Bah, c'est vrai que quand t'as mis la carte tout à l'heure, j'aurais pensé aussi que c'était plus plat. Enfin, je me doutais pas que le terrain était aussi vallonné. Ouais. Ah, bah les voilà les griffons. Je suis trop heureux, normalement ils ne vont pas pouvoir m'atteindre. On va pas descendre pour l'instant, hein. On va éviter. Oh putain, ils sont trois. Seulement. Bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. Je me sens mal. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais, voilà. Oh non putain. C'est pas vrai. Ouais, bon bah. Ouais, c'est... Et je suppose qu'ils vont me refoutre ta good springs. Que c'est un good endroit. Et c'est good. Ouais, ils m'ont foutu à Good Springs. Oh putain, c'est pas vrai. Y'a pas un endroit plus proche sur la carte, non? Non, je crois que malheureusement. Ah, j'aurais pu partir de là, tu me diras. J'étais pas si loin que ça si je partais de là. Ouais. Bon, bah, ça vous fait voir du pays, hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une zone qui était assez. Je me souviens. Ça me revient d'être passé dans cette zone pour la première fois pour aller vers New Vegas, vers la grande capitale. Ouais. Et ça avait été très très tendu pour arriver là-bas à cause des griffements sur le chemin. Ouais, New Vegas, faut quand même avouer que c'est un jeu, on peut pas se déplacer où on veut quand on a un petit niveau. Ça va être peut-être la principale contrainte justement par rapport aux aventures de Tenko dans New Vegas. Ouais. C'est vrai que bon bah on a pas trop le temps de l'entraîner quoi, enfin avant entre chaque vidéo parce que... À toi. Salut. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à côté. Ouais. Il y a des cartes. J'aimais bien le jeu, je sais plus comment ça s'appelle. Caravan non? Ouais voilà. Ouais. Et j'aime bien ce jeu, je trouve vraiment sympa. Voilà, j'ai juste vendu ma bombe là que je ne servirai peut-être jamais. Juste pour acheter deux Steam Packs supplémentaires. C'est pas une sorte de... Patzak? Si, ouais, Patzak, ça c'est un jeu de cartes. Ouais, dans Knights of the Old Republic, un jeu Star Wars très... très passionnant. Très bien de la balle, ouais. Ouais. Je suis fan. Oh. Ouais, mais... Ouais, il faudrait que je m'y mette aussi, ouais, au caravan. Ah, jeu de cartes, et je crois que je m'étais fait pas mal de pognon sur ce jeu d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, plus on monte la chance, plus on peut avoir une facilité à s'en sortir bien dans les jeux. Ah oui, pour une fois on s'était amusé avec Champac, comme ça quand on jouait pour coller. Un perso qui s'appelait Jean Crustachon. Ouais, voilà, il avait la chance au maximum. Et ce mec là, il gagnait jamais. Voilà, il gagnait à tous les coups. Que ce soit Blackjack ou Machine à sous. C'était pas mal. Hein. Et ouais, c'était vraiment assez drôle. On voit que le facteur chance sert à quelque chose dans les casinos. Voilà, il n'était pas verni sur tous les autres points, mais là par contre, le jeu, c'est assez extraordinaire. C'est quoi les trucs en rouge? C'est les cornues. Mais eux, si tu les déranges pas, normalement, ils viennent pas te faire chier. Ouais. Ah non, ah, j'ai atterri du mauvais côté. Bon, PCL, vous avez rien vu. Encore une fois. Ah là là. Bon, on devrait pas tarder à arriver. Finalement, j'aurais dû partir de là dès le départ. Ouais. Mais bon, ça vous a fait faire du pays, comme je vous ai dit, j'essaierai d'éviter de faire des coupures.
Ça vous permet d'avoir un peu de matière, même si même si vous découvrez pas forcément de nouvelles choses. Si vous avez la patience de supporter nos blagues douteuses, ça va déjà bien. Alors, je regarde vite fait. Ouais, je vous en prie. Ah, c'est bon, on y est presque. Ah. Et on retrouve la voie ferrée. Putaski ? Putaski, ouais. Putaski. C'est parti. Bon, on est un peu en train de picoler devant les vidéos, enfin en tournant les vidéos. Ce qui nous empêche pas de gérer quand même la chose. Tout à fait, nous sommes très alertes. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la prochaine cible sera un peu plus solide que celle qu'on a affrontée, parce que... Ouais. Il lui a fallu une pichenette. Bon, en même temps, on est entré facile, hein, faut pas... Et alors, dès que j'aurai récupéré cette prime, je couperai rapidement la vidéo juste pour vérifier toujours la mémoire, parce que la vidéo sur PC, ça va très vite. Ça va convenir. Ouais, c'est genre 5 gigas, enfin 5 gigas, c'est pour 6 minutes, en général, pour Fallout New Vegas, ça doit être à peu près ça, je crois. Ouais. Alors, on arrive dans une petite ville, je crois. C'est peut-être là qu'il habite, ce gros con. Un petit bled pommé. Après Gay Luigi, qui c'est qu'on va avoir? Gay Mario, peut-être. Mario aussi est gay. Peach serait un homme. On apprend des choses. Ouais. Baie d'ortie blanche. Un des fleurs. Peut-être un bouquet d'ortie à celle-là. À ta copine, je pense pas qu'elle a passé. Boulder City. Boulder. Ah, tu vois pas de la putaski toi, Kowalski? Bah si, pardi. Je m'en doutais. Bon alors, il est où ce con? D'accord. On peut déjà se prendre. C'est dans Fable 3. Ah oui. Le chien. Non, c'est un gros bourrin dans la ville, dans le royaume des gitans. Ah oui. Alors. C'est lui que je dois buter. Non, je crois que c'est le contact. Ah. What? Can you buy me a drink? Just one drink. I need information about the caravan attack. Well, there was this big fucking explosion. I got covered in Brahmin guts. Mike was shot to shit. Managed to get one of them. It wasn't raiders like I'm used to. It was a couple of old guys, weird uniforms. It was at this intersection. Here. Anyway, there ain't much left there. But you can look. He cleaned up the bodies, but he left that old dude to rot. Bon, apparemment ils sont deux. Deux vieilles personnes en uniforme. Ouais. Ça reste les Men in Black. Après plusieurs années de service. Beaucoup d'années. Attends, on va faire un voyage rapide. Ouais, donc je teste le backside. Ouais, puis je vais sortir depuis la porte comme ça. On va gagner du temps. Tout à fait. Car le temps, c'est de l'argent. Et des gigas. Surtout. Ah non, j'ai pas besoin de sortir, je suis battu déjà à l'extérieur. Donc. Je pense pas que ce soit là-dedans. Non. Ouais. Non, en fait, je sais pas du tout. Ça, c'est un fort de. Ouais, Crimson Caravan, voilà. On peut bosser pour eux à un moment donné dans le jeu. Pas mal de factions d'ailleurs. Hein, mais... Énormément, ouais. C'est un des gros points forts. En fait, la quête principale est relativement courte, mais par contre, les quêtes secondaires, il y en a partout. Il y en a une chier. Ouais. Et qui est l'inverse de
Dans Fallout 3, ouais, il y en a pas énormément. Par contre, elles sont assez longues. Elles sont longues, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Ouais. Et donc, au final, quand vous recréez un personnage, bah, vous pouvez difficilement faire un personnage différent de celui que vous avez fait avant. Il fera un petit peu la même histoire, après, avec parfois des dialogues différents, des choix différents. Mais ça restera relativement la même histoire. Alors que là, vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage, lui faire rejoindre des factions qui correspondent à sa personnalité. Ce qui est plutôt bien. Je crois que je suis sur les lieux du crime. Oula, oui. Ah. Alors. D'accord. Donc, ouais, donc apparemment, il compte attaquer la confrérie de l'acier. Une maison de la confrérie d'acier, Safe House. Je sais pas ce que veut dire Safe House précisément. Ça doit sûrement être une sorte de base. Ouais. En tout cas, faut que je m'y dirige. C'est pas trop loin apparemment. De base vite. Et n'empêche, les quêtes, il y a quand même du contenu. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien fourni. Pour une quête créée par un modeur, je veux dire. Hein, c'est... Ah, déjà, le fait d'avoir rien qui doublage. Ouais. Moi je m'attendais vraiment à juste avoir le texte et pas le voix. La plupart du temps c'est ça, ouais. Et là c'est un gros plus. Puis ouais. Puis bah, le contexte, hein, la chasse à crime. Voilà, dans un univers comme celui-là, ça colle vraiment bien. Ouais. C'est même fait pour ça avec une règle. Ouais, c'est vrai que on se sent bien dans le. Oui, et puis on voit, ouais, c'est ça, c'est qu'on voit aussi que le modeur a pris du plaisir à faire ce. À faire. Enfin. Pour le moment, en tout cas, j'ai du mal à lui trouver de véritables défauts à ce mode. Oui, c'est. Bah, oui. Il est bien construit, il n'y a pas. Ouais. On se perd pas, il n'y a pas de. C'est clair, net et précis quand même. Niveau difficulté, pour le moment, ça a pas l'air d'être spécialement mal géré. Ouais. Après, bon, on est en très facile, donc c'est pas non plus facile de... D'évaluer, ouais. De bien évaluer, mais... Ça a plutôt bien géré. Il faut savoir qu'il y a une suite, je sais pas ce qu'elle donne du tout, mais de toute façon, on verra bien. Ouais. Ce sera fait un jour. Ce sera fait sûrement plus tard. Il faudra être patient pour ça. Je continuerai probablement, même en l'absence de Champac, de toute façon, les aventures de Tenko dans New Vegas. Mais ce sera pas pour tout de suite. Il y a pas mal d'autres projets qui sont en cours. Ouais. Mais ça me fait toujours autant plaisir d'être sur ce jeu. Ouais. Ah, oh, voilà les gros. Donc, il y a une solution simple pour limiter les problèmes. Je sais, c'est une lâche. Attends, ouais. C'est le jeu qui est facile, hein. Voilà. Ah là, par contre, touche pas dit. Et comme je suis un fumier jusqu'au bout, je vais quand même prendre sa main de griffe mort sans avoir rien branlé. Tout à fait. On va se faire troller par les pro-gamers qui refusent le moindre cheat. S'ils sont pas contents, ils ont... Vous pouvez aller voir la vidéo, voilà. Je rigole. Non, mais je pense que les gens comprennent très bien que c'est dans, quand même dans le but de vous montrer un maximum dans son intégralité le mode sans avoir de soucis. Voilà. Ah ah. Oh putain, oula. Oh, ah, j'ai ma touche gauche qui est complètement enfoncée dans le clavier, c'est, ça ne m'arrange pas. Pas trop le moment. Ouais. Alors toi mon pote, c'est qui? Oui, c'est lui que je dois trouver. Eh, arrête. Ah non, d'accord. Bah il a cramé au Noda. Hein. Ah, donne-moi ton doigt, donne-moi ton uniforme, donne-moi ta micro-cellule. Je vais visiter sa cabane, tu sais. Je suis curieux.
Ah d'accord. Ouais, donc c'était une planque en fait, qu'on t'ait attaqué. Ah ouais, une planque en fusil aussi. Voilà. Bon, apparemment, ils étaient deux dans la description là. Ouais, ils étaient deux, ça devait sûrement être l'officiel supérieur, je suppose. Vu que là, de toute façon, je dois retourner à prime. Ouais. Donc, je vais récupérer donc la, bah, la prime, justement. Et je vais vérifier le... L'espace restant. Oula. La touche gauche a un problème. Bon, vous avez rien vu, hein, mais... Les murs séchés. Nous envolons avec légèreté et grâce. Mais comment se fait-il que je puisse prendre autant d'élan? Je suis un ange. Ma vraie nature est enfin révélée. Ou plutôt un démon. Ouais, c'est ça. En plus, il a vraiment la gueule du gros délinquant qui a pas de cervelle. J'ai eu peur de me faire mal là sur le moment, mais bon, ça va. Ah, c'est vrai que t'as rendu le TG. Ouais. D'ailleurs, il m'a enlevé pas mal de vie, l'autre con là, Onoda. Hein. J'étais en très facile, je vous rappelle. Ouais. Donc, ça laisse quand même imaginer ce que. Bah, les gens moyens jouent en normal en général. Ouais, ça peut donner une idée. Pas qu'Alpha. Ouais, si tu veux. Hein. Bon, car je sais même pas en quelle difficulté je jouais. Yo! Is the convoy attacker dead? Ouais. Tiens. Good, here's your reward. Don't spend it all in one place. Come back when you're ready for the next job. Someone is always in need of killing. Alright. Mm-hmm. Y'a une capsule qui traîne là, je peux? Non. Non, celle-là elle est à moi. J'avais déjà donné 500. On te tend la main, tu prends le bras, hein. Bon, ça va. Bon, eh ben, on va considérer, juste au cas où, que cette session de vidéo est terminée. Et nous nous retrouverons dans la troisième partie. Voilà. Nous vous remercions et à bientôt pour une prochaine session de vidéo ou un prochain épisode. Voilà. Ciao. Ciao.